Bonjour, un atelier chant pour apprendre à se relaxer. Et c'est ce que vous propose Marie-Vonne Elec, auteure, compositeur, concertiste. Chaque lundi soir à Barret, elle démontre pendant une heure et demie que la voix peut participer à la détente et au bien-être. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on commence par une vingtaine de minutes de relaxation allongée. En musique, ou en musique douce, tranquille, et moi je guide la relaxation. Je passe un petit, en fond musical, un petit CD, ça c'est pas de moi, hein, un petit CD, de relaxation, fait pour ça. Il y a des gens qui travaillent très très bien, hein, sur ces fonds musicaux là. Et moi pendant ce temps-là, je guide par ma voix, voilà, vous êtes sur la terre, vous prenez contact avec la terre, voilà, votre esprit se vide complètement, les tracas s'enfoncent etc. Voilà, vous voyez, vous imaginez le ciel au-dessus de ce toit, les étoiles, respirez les étoiles, etc. etc. quoi. Voilà, je guide tout ça et pour essayer de leur faire lâcher les tracas du jour, du mois. Voilà. Et puis après, donc, on peut travailler soit sur des massages sur le corps, évidemment, sur les habits, évidemment. On travaille sur des... On met en mouvement le corps, on échauffe, hein, échauffement, on va dire. Et puis échauffement vocal, hein, des vocalises, de tout ordre, on s'amuse. Il y a des moments où on arrête, on écoute. Des moments où on arrête, et puis voilà, qu'est-ce que vous ressentez? Après ce chant, comment vous vous sentez? On écoute. Alors selon les groupes, on écoute plus ou moins longtemps. Parce que les groupes forcément aussi sont faits de personnes qui sont différentes. Donc on travaille aussi souvent différemment d'un groupe à un autre. Il y a des demandes qui sont différentes. Voilà, des fois c'est vraiment sur tout le côté angoisse, nœud, etc. Donc on est vraiment vraiment dans la relaxation. Et des fois c'est des gens qui veulent s'éclater, qui veulent chanter davantage, etc. Qui sont plus extravertis. Eh bien, on fait un peu des deux, mais on chante beaucoup plus. Vous voyez, ça dépend. On adapte. Comme c'est des petits groupes, justement, on adapte bien, quoi. Et pas besoin d'être un excellent chanteur pour intégrer les ateliers de Marie-Vonne. Le but, c'est avant tout de se relaxer. Je chante faux, je respire mal, comme c'est marqué sur mes flyers. Hein, donc, je respire mal, je me sens pas bien, j'ai des angoisses. Est-ce que vous croyez que ça va m'aider ?